monde. Encore quelques petites applications sur les complexes. Alors, toujours, on cherche l'écriture trigonométrique, donc le premier exercice. Comme ça, ça va nous aider à apprendre les formules trigonométriques et les mesures d'angle avec leur sinus et leur cosinus. Alors, je commence par le premier. Vous avez Z1. Alors, exercice 1. Vous avez Z1 est égal à 1 plus I tangente θ sur 1 moins I tangente θ. N'oubliez pas, s'il vous plaît, avec θ, cette valeur est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça y est, pour ne pas avoir de problème parce que vous avez la tangente et on ne doit pas avoir un 0 au dénominateur. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Z1. Alors, puisqu'on cherche l'écriture trigonométrique, il faut remplacer tangente par sinus et le cosinus. Donc, vous allez avoir 1 moins plus I. On a des tangentes, c'est quoi? C'est sinus θ sur cosinus θ. Ça va? Même chose au dénominateur, moins I. Vous allez avoir ici sinus θ sur cosinus θ. Deuxième chose à faire, il faut réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici cosinus θ plus I sinus θ sur cosinus θ. Ça va? Le trait principal. Sur dénominateur, vous allez avoir cosinus θ moins I sinus θ. Le tout sur cosinus θ. Alors, comme vous remarquez, on peut simplifier par cosinus θ. Et voilà. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, la dernière écriture, Z1 est égal. Vous allez avoir ici, il va rester cosinus θ plus I sinus θ. Ça y est, au dénominateur, il va rester cosinus θ moins I sinus θ. Alors, il y a la deuxième, ou je crois, ou bien la troisième vidéo. On a vu ce genre d'écriture sous forme trigonométrique. Alors, on a dit, je crois, la deuxième partie du cours. Oui, la deuxième. Alors, dans la deuxième partie du cours, on avait vu les quatre formes. Si vous avez cos θ plus I sinus θ, si vous avez ici plus, ou bien plus, moins, ou bien moins, plus, ou bien moins, moins. Alors ici, je vous ai donné le code de plus et plus, moins. Ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais écrire ici, maintenant les détails, vous allez avoir cosinus θ, plus I sinus θ. Ça y est, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le module. Le module, on a dit la dernière fois, il y a toujours un module. Si on n'a rien, on met un 1. Alors 1, vous allez avoir ici cosinus θ plus I sinus θ. Et voilà. Et ça, c'est quoi l'écriture trigonométrique? C'est 1 tètre. Alors ça, c'est pour le numérateur. Pour le dénominateur, cosinus θ moins I sinus θ. On a dit, il faut toujours avoir un plus, toujours à côté de I un plus. Ici, on a un moins. N'oubliez pas que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, je peux mettre le moins à l'intérieur ici. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus θ plus I et mettre le moins à l'intérieur. Donc, vous allez avoir sinus moins θ. Claire? Mais attention, la fonction cosinus est une fonction paire. C'est-à-dire, si vous changez cos θ par cos moins θ, ça revient au même. Donc, vous allez avoir, trouver la même souvent. On a déjà dit ça la dernière fois, mais c'est pas grave, je refais tout ça. Alors, I. Et vous allez avoir sinus moins θ. Qu'est-ce qui manque? Il manque le module. Alors le module est toujours, le module existe tout le temps. Et en particulier, qu'est-ce qu'on met? Ici on a mis le 1, de même ici on met le 1. Ça y est, et par conséquent, c'est quoi l'écriture trigonométrique? Ça va être 1 au module et moins θ en argument. Ça y est, donc ça. Alors ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cosinus θ moins I sinus θ. Ça va? Donc voilà pour le dénominateur et voilà pour le numérateur. Et voilà. Ça y est. Alors je remplace. Alors on remplace dans l'écriture de Z1. Ceci implique à quoi est égal Z1? Pour remplacer numérateur par quoi? Par 1 θ. Voilà. 1 θ, numérateur. Et le dénominateur par 1 moins θ. Vous allez avoir 1 et moins θ. Ça va. Alors, maintenant, on applique le cours. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous avez une division, vous divisez le module sur le module
Et l'exemple, vous mettez le numérateur, c'est-à-dire l'argument du numérateur, moins l'argument du dénominateur. Mais j'ai déjà un moins. Alors, si un moins avec le moins de la formule, ça devient plus θ. Donc, moins, moins θ. Si on applique le cours, ça y est, une conclusion dans ce cas, à quoi est égal Z1. Z1, vous allez avoir 1 en tant que module, et vous allez avoir 2θ en tant que argument. Ça y est, et voilà l'écriture. Si vous voulez encore écrire sous forme de 1, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Et voilà, vous pouvez écrire ça si vous voulez. Sinon, vous laissez aussi. Ça y est, donc voilà Z1 ou bien Z1. Et voilà, ça y est. Maintenant, on va passer à Z2. Alors, pour Z2, alors ça, c'était pour Z1. Maintenant, pour Z2. Alors, pour Z2, vous avez 2i, vous avez 1 moins i, et vous avez 3 plus 3i racine de 3. Alors, je vais procéder étape par étape. Vous remarquez ici, il y a trois parties. Il y a 2i, il y a 1 moins i, il y a 3 plus 3i racine de 3. Ça y est, alors, on va essayer d'abord de factoriser le maximum possible, et après on va chercher les modules et les arguments. Vous remarquez ici qu'on peut factoriser par 3. Donc, vous allez avoir 2i facteur 1 moins i sur factorisé par 3. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus i racine de 3. Ça y est. Alors, je vais calculer 2i, l'écriture trigonométrique. Je vais déterminer l'écriture trigonométrique de 2i, 1 moins i, 1 plus i racine de 3. Ça y est. Alors, maintenant, je passe à la recherche des écritures trigonométriques. Alors, je pose d'abord le 2i. Alors, vous pouvez laisser tranquille le 2, si vous voulez, vous pouvez écrire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Alors, Z2 est égal, vous pouvez mettre 2 tiers, voilà, tout simplement, le 3 et les 2, ça y est, ouvrez les parenthèses, vous pouvez écrire ici, il y a le manque, il manque le i. Il y a des élèves qui peuvent me dire pourquoi on ne développe pas. J'ai envie de laisser comme ça, on va apprendre à manipuler les écritures trigonométriques. Sinon, vous développez i avec 1 moins i, et comme ça, vous avez un autre résultat. Ça y est, mais laissez comme ça, c'est pas grave. Maintenant, le rôle ici, c'est pas de calculer. Le but ici, c'est pas de calculer. Le but ici, c'est de déterminer les écritures trigonométriques, tout simplement. Alors, vous allez avoir 1 moins i ici, ça y est, au dénominateur, vous avez, alors, alors le 1, au dénominateur vous avez 1 plus i racine de 3. Alors je commence par le premier. On a dit déjà la dernière fois que i c'était quoi? C'était 1 pi sur 2. Maintenant 1 moins i. 1 moins i, premièrement il faut pas son module. À quoi est égal 1 moins i module est égal. 1 moins i, c'est 1 moins 1 fois i. Toujours à côté de i, s'il n'y a rien, c'est i et le 1. Donc vous mettez racine 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça donne combien? Ça donne racine de 2. Ça y est, donc racine de 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 1 moins i, je factorise par racine de 2. Attendez. Alors, le nombre qu'on a trouvé ici, vous factorisez par racine de 2 et vous divisez par racine de 2. Donc vous allez avoir 1 sur racine de 2. Toujours on factorise par le module, on divise en même temps. Alors moins 1 sur racine de 2 fois i. Et voilà. Ça y est, ça, première étape. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a pris 1 moins i, on a calculé son module, on a trouvé racine de 2. Donc on factorise par le module et on divise par le module. Qu'est-ce qu'on a? Il ne va pas rester racine de 2. Ici, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Ça y est, ici, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Mais il vaut mieux mettre le i au début, mais pas à la fin. Et voilà. Ça y est. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? On a trouvé racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est une mesure d'angle qui a le sinus égal au cosinus. Ne regardez pas le moins. Regardez que les nombres. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ça y est. Donc, je dessine le cercle. Voilà. Voilà, l'origine du repère, ça va. Vous avez la partie réelle et la partie imaginaire. Ne regardez pas les signes, s'il vous plaît. La partie réelle, voilà, et la partie imaginaire. Vous formez le carré. Et ça vous donne exactement pi sur 4.
cette partie en deux parties, parce que ici vous avez 90 degrés, vous êtes d'accord? Donc si vous prenez là, ici, le côté horizontal, la distance, ici, vous prenez à une distance D, ici la même distance D, donc vous allez former un carré, après vous tracez la diagonale, et vous avez exactement pi sur 4. Mais ici le problème, quoi? Le problème c'est que vous avez la partie cosinus, elle est posée ici. Partie cosinus, regardez ça, vous avez l'origine du repère. L'origine du repère, le cosinus, il se balade sur l'horizontale. Le sinus, il se balade sur la verticale. Le cosinus, on a quelque chose de positif. Cosinus positif, on a dit, se balade sur la partie horizontale, mais positif. Donc, positif, c'est cette partie. Et voilà. Là, maintenant, le sinus. Le sinus, c'est la partie qui est avec le i. Ça y est, donc, c'est là, il se balade sur la partie verticale. Mais c'est quelque chose de négatif. Voilà l'origine du repère, négatif, c'est cette partie. C'est-à-dire, la mesure d'angle que je cherche se trouve par ici. Ça y est, alors comment je vais la trouver? Vous prenez pi sur 4 et vous, voilà, vous lancez une parallèle à l'axe des ordonnées et vous allez trouver, comme on a dit dans le cours, si vous avez 6 θ, dans le premier cadran, au quatrième cadran, vous avez moins θ. Donc ça va être moins pi sur 4. Et voilà, on a terminé avec un moins pi. Donc conclusion. A quoi est égal un moins i est égal le module, c'est racine de 2, ça y est, ça, c'est quoi? C'est cosinus moins pi sur 4, ça y est, et plus i sinus moins pi sur 4. Sinus moins pi sur 4 égale à racine de 2 sur 4. Voilà, sinus moins pi sur 4. Voilà, ça y est, moins pi sur 4. Et voilà, alors maintenant on va écrire correctement, c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir 1 moins i, a pour écriture trigonométrique racine de 2, et il a moins pi sur 4 en tant que argument. Et voilà. Ça y est. Donc, on a terminé avec le i. On a vu ça dans le cours. Ça y est. 1 moins i, le voilà, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le dénominateur, 1 plus i racine de 3. Alors, le troisième, 1 plus i racine de 3. Égal. Alors, vous allez faire la même chose, vous allez calculer le module. Alors, le module de 1 plus i racine de 3. Racine de 3, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez, mettez racine, mettez le 1 au carré plus racine de 3 au carré. Racine de 3, c'est 3, plus 1, c'est 4, racine de 4, est égal à 2. Et voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez factoriser par le module et diviser par le module. Donc, vous allez avoir ici 1 sur plus i racine de 3 sur. Ça y est? Non, c'est crochu. Donc, je divise par le module, voilà le mot là, ça y est, et je divise ici. Voilà. La réalité, très très bien. Alors, maintenant la question, c'est quoi cette mesure donc? Cette mesure donc, vous dessinez ça. Voilà, on repère, et voilà, ça y est, voilà, on repère, et voilà, l'origine du repère. Ça va? Bon. Alors, c'est quoi cette mesure donc? Cette mesure donc, regardez, vous avez deux valeurs. Vous avez le 1,5, vous avez racine de 3 sur 2. Quelle est la valeur la plus simple? C'est 1,5. Voilà. 1,5 se trouve là, quelle partie? La partie des cosinus. Quand il y a i, c'est la partie des sinus. Quand il n'y a pas de i, c'est la partie réelle, partie des cosinus. Les cosinus se baladent, on a dit tout à l'heure, sur la partie horizontale. Alors, la partie horizontale, là voilà, ça c'est l'origine du repère. On a un cosinus qui est égal à 1,5. Le rayon du cercle, c'est 1, prenez la moitié. Voilà la moitié. Ça y est, et vous montez, vous tracez une parallèle à l'axe des ordonnées, et vous obtenez exactement pi sur 3. Pi sur 3. Ça y est, donc si vous prenez 1,5, voilà, mettez tracez la parallèle à l'axe des ordonnées, et ça vous donne exactement 60 degrés. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de pi sur 3 ou non? Comme tout à l'heure, on avait trouvé pi sur 4, mais ce n'était pas pi sur 4. Pourquoi? Parce que cette mesure donc avait un cosinus positif, un sinus négatif. Cos positif, le voilà, sinus positif, négatif, le voilà, donc l'angle correspond au 4e degré. 4e cadran, c'est moins pi sur 4. Maintenant, on va voir les si. Les si, vous avez positif, donc c'est un cosinus qui est positif. Vous avez plus à côté du sinus, vous avez un sinus positif, donc c'est exactement pi sur 4. Donc on n'a rien perdu. Ça y est, très bien. Alors, la conclusion. Alors, quoi est égal? Donc, à quoi est égal 1 plus i racine de 3 est égal. Alors, qu'est-ce qu'on a en module? Module, voilà, vous avez 2, ça y est, mettez le 2 ici. Le 1,5, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Alors maintenant, alors on écrit l'écriture finale.
Alors, voilà, parce que j'ai envie de terminer cet exercice ici. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ceci implique que 1 plus i racine de 3. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 en tant que module et il a pi sur 3 en tant qu'argument. Et voilà, ça c'est le troisième. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant à calculer cette fraction. Ça y est, le rapport. Alors, je commence les calculs maintenant. Alors donc, et on commence les calculs. Alors, qu'est-ce que vous avez? Attention, ça c'est racine de 3. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez i facteur 1 moins i sur 1 plus i racine de 3. Voilà. Ça y est? Alors, je remplace par les écritures trigonométriques. À quoi est égal i? I est égal à 1 pi sur 2. Alors, 1 pi sur 2. Clair? 1 moins i. 1 moins i, 1 moins i, 1 moins i. C'est racine de 2 moins pi sur 2. Clair? Le dénominateur, le voilà. Le dénominateur, vous avez 2 et vous avez pi sur 3. Et voilà. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé chaque nombre par son écriture trigonométrique. Alors, je vais commencer d'abord par le numérateur. Numérateur, quand vous avez un produit d'écriture trigonométrique, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez le module, on va multiplier le module avec le module. Donc, 1 fois racine de 2. Et les arguments, on fait la somme. Donc, vous allez avoir pi sur 2 moins pi sur 4. Ça y est, je ne touche pas pour le moment le dénominateur. Pi sur 2. Ça y est, bon, égal. Alors, faites le calcul. 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Pi sur 4, voilà. Au dénominateur, vous avez 2, vous avez pi sur 3. Clair? Voilà. Maintenant, si vous avez une division, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez le module sur le module. Voilà. Alors, vous effectuez la division, module sur module, les arguments, celui du numérateur moins celui du dénominateur. Donc, vous allez avoir pi sur 4 moins pi sur 3. Et voilà. Ça y est, celui du numérateur moins celui du dénominateur. Et voilà, j'ai terminé. Vous écrivez le résultat. Donc, vous avez... Voilà, c'est la fin. Encore un peu d'espace. Et voilà, ça y est. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a i facteur de 1 moins i sur 1 plus i racine de 3, remplacé. Racine de 2 sur 2, il s'agit de module, racine de 2 sur 2. Et l'argument, vous allez avoir 12 au dénominateur, 3 moins 4, c'est moins pi sur 12. Et voilà le résultat. Ça y est, donc vous avez l'écriture trigonométrique de, voilà, ça y est, de i par racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, moins pi sur 12. Ça y est, mais attendez, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'écriture trigonométrique de Z2. Mais attention, il y a un 2 tiers ici. Vous êtes d'accord? Donc, il suffit maintenant de multiplier cette écriture par 2 tiers. Alors, donc, à quoi est égal Z2? On a Z2, on a 2 tiers. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous avez? On avait, en parenthèse, on avait i facteur de 1 moins i, ça y est, sur 1 plus i racine de 3. Ça y est, et on remplace. Alors, vous allez avoir 2 tiers, vous cochez, ça va. À quoi est égale cette partie? Regardez, c'est la même. Remplace. Donc, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Et l'angle, la mesure d'angle, vous avez moins pi sur 2. C'est l'argument moins pi sur 2. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez un nombre à l'extérieur, vous voulez le mettre à l'intérieur, attention, on ne touche jamais l'argument. Jamais. On ne touche que le module. Parce que s'il s'agit de distance, et ça aussi c'est un module, c'est une distance. Donc on peut multiplier une distance avec une distance. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre 2 tiers à l'intérieur, mais de cette manière. 2 tiers fois racine de 2 sur 2. Ça y est, et on ne touche jamais l'argument. Et voilà, ça y est, vous remarquez 2 avec 2 a disparu. Et maintenant c'est terminé. À quoi est égal cette 2? Vous avez racine de 2 sur 3 en tant que module. Et vous avez moins pi sur 12 en tant qu'argument. Et voilà, ça y est, et on a trouvé. Alors maintenant, deuxième exercice, on a les points A, B, C. Donc vous avez A, exercice 2. Vous avez A, A pour A fixe racine de 3 moins i. Le B, moins racine de 3 plus i. Ça y est, et le C,
Vous avez 1 plus i racine de 3. Et voilà. Alors la question, calculer b moins c sur a moins c. Après, on déduit la valeur du triangle ABC. Bon. Alors, si on calcule b moins c sur a moins c. Alors ici, je vous donne un conseil. S'il vous plaît, mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème de si. Le b, c'est quoi le b? C'est moins racine de 3 plus i. Alors le b, c'est la fixe du point b. Alors racine de 3 moins i, moins c, c'est la fixe de c. C'est 1 plus i racine de 3. A, vous avez racine de 3 moins i, moins c. C'est 1 plus i racine de 3. Ça va? Très bien. Alors, on simplifie. Ou bien on groupe les parties réelles, parties imaginaires. On groupe les nombres. Alors, vous allez avoir moins racine de 3 moins i. Vous allez avoir moins racine de 3 moins 1. Voilà, partie réelle, plus i. Alors, i, vous allez avoir ici 1. Ici, vous allez avoir moins racine de 3. Ça va, c'est correct? Claire? Alors, voilà, c'est correct. Donc, je répète, moins racine de 3 moins 1, partie imaginaire, 1 et moins racine de 3. Au dénominateur, partie réelle, racine de 3 moins 1, voilà, et partie imaginaire, plus i facteur, ici vous allez avoir moins 1, claire, moins 1, ici vous allez avoir moins racine de 3. Et voilà, ça y est? Alors, je continue. Regardez s'il vous plaît les choses. Ici, vous avez les racines de 3 au début. Ici, deuxième position, première position, deuxième position. On va essayer de rendre les racines de 3 au début. Ça y est. Donc, si j'ai envie d'avoir racine de 3 au début, donc ici, s'il vous plaît, je vais factoriser par moins. Alors, factoriser par moins. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir racine de 3 plus 1. Ça y est, je vais factoriser par le moins. Ici, factoriser par le moins, vous allez avoir plus i. Changer de position, ça va devenir racine de 3 moins 1. Ça y est. Alors, le moins, voilà, j'ai factorisé ici par moins, le moins. Ça va? Voilà. Pour le dénominateur, la même chose. On a ici racine 3 au début, donc on n'a pas de problème. Voilà, ça y est. Et ici, vous avez racine 3 en deuxième position. Vous allez factoriser par moins, donc vous allez avoir moins i. Il va rester ici 1 plus racine de 3, vous pouvez changer de place, pas de problème. Racine de 3 plus 1. Et voilà, ça va comme ça. Alors, je répète, ici, je n'ai pas touché. Ici, j'ai factorisé par un moins, donc voilà. Et j'ai mis racine 3 au début. Ça y est, regardez, on commence toujours par les racines de 3. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier le dénominateur, tout ça, par son conjugué. Son conjugué, ça va être racine de 3 moins 1. Ici, vous avez un signe moins, donc ça va être plus i facteur de racine de 3 plus 1. Ça va? Donc, vous allez faire la même chose ici. Vous allez multiplier par racine de 3 moins 1 plus i facteur de racine de 3 plus 1. Ça va comme ça? Très bien. Alors, moi, je vais appliquer. Après, vous allez vous développer. Ça y est, alors moi je vais appliquer la méthode que je vous ai montrée. Je vais mettre le moins ici, ou bien sur le côté. Alors attendez, le moins le voilà. Vous allez multiplier la partie réelle avec la partie réelle. Vous allez avoir racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 moins 1, réel fois réel, plus imaginaire fois imaginaire. Imaginaire ici, vous allez avoir racine de 3 moins 1. Imaginaire ici, il y a un signe moins. Donc puisqu'il y a un signe moins, donc je vais mettre. Le moins ici, ça y est, un moins, et après je mets racine de 3 plus 1. Je répète, vous multipliez réel fois réel, plus normalement, plus imaginaire fois imaginaire. Mais imaginaire fois imaginaire, il y a 6 moins, c'est pour ça qu'on a changé ici de ci. Je vais même le mettre en rouge. Ça y est, j'ai pensé à ce mot. Ça y est, voilà, ça c'est la première partie, plus i, voilà. Alors, ouvrez les parenthèses, vous allez multiplier la partie réelle avec la partie imaginaire, moins cette partie fois cette partie. Donc, vous allez multiplier, regardez, diagonale, vous allez avoir racine de 3 moins 1, facteur de racine de 3 moins 1, ça avec ça, moins, et multipliez ça avec ça. N'oubliez pas qu'il y a déjà un signe moins. Donc, c'est-à-dire, le moins avec le moins, ça devient un plus. Donc, ici, vous allez avoir... Qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier ce nombre avec ce nombre. Donc, vous allez avoir moins racine de 3 plus 1. Ça y est, multiplié par moins racine de 3 plus 1. Voilà, comme ça, vous n'avez pas de problème ici. Ça y est, vous pouvez même mettre ça la même chose ici. Voilà, pour ne pas avoir de problème de calcul. Racine de 3 plus 1, on a dit réel fois réel, réel fois réel plus imaginaire fois imaginaire. Donc, racine de 3 moins 1, ça y est, multiplié par moins. Voilà, moins racine de 3. Pas de ça. Ça y est, je vais mettre en rouge. Et voilà. Ça va comme ça? Et voilà, c'est terminé. Voilà. Sur ce nombre au carré plus ce nombre au carré. Donc, ce nombre au carré, ça va être racine de 3 moins 1 au carré plus
Même le moins, nous, avec le moins, va disparaître, le carré, avec le carré, le moins va disparaître, il va rester racine de 3 plus 1. Et voilà, la réglette est très claire. Alors, je continue, vous avez ainsi moins, et voilà le carré. Je commence. Ça, c'est chez identité, c'est a carré moins b carré. Donc, ça va donner 3 moins 1, a carré moins b carré. Clair? Ici, vous avez ainsi moins, ce moins. Vous avez racine 3 moins 1, facteur racine 3 plus 1. La même chose, vous allez voir 3 moins 1. Vous êtes d'accord? Voilà, je continue, plus i. Alors, i, qu'est-ce que vous avez? Sur identité, c'est racine 3 moins 1 au carré. Donc, ça donne 3 a carré plus b carré moins 2ab moins 2 racine de 3. Clair? Ici, même chose. Moins avec moins, ça devient un plus. Donc, vous avez un plus. Même chose, c'est une identité, c'est racine de 3 plus 1 au carré. Donc, ça donne racine 3 au carré, c'est 3 a carré plus b carré plus 2ab, 2 racine de 3. Et voilà, prolonger le trait sur a carré plus b carré. Donc, a carré plus b carré, c'est un réel. Donc, un réel, vous pouvez développer, vous allez avoir 3 plus 1 moins 2 racine de 3 plus 3 plus 1 plus 2 racine de 3. Et voilà. Donc, 2 avec ça, ça va disparaître. Celui-là aussi va disparaître. Et voilà. Maintenant, il reste un calcul très très simple. Donc, a coup était là. B moins c sur a moins c était là. Alors, ici, vous allez avoir 2 moins 2, c'est 0. Tout a disparu, donc vous allez avoir la partie réelle est nulle, il n'y a pas de partie réelle. Partie imaginaire, vous avez 3, il y a un 4 et 4, ça donne un 8, plus 8i, voilà, plus 8, ça c'est un i. Au dénominateur, il va rester 4 et 4, ça donne un 8. Et voilà, ceci implique que b moins c sur a moins c est égal à i. Et voilà, c'est quoi i? C'est 1pi sur 2. Et voilà le résultat final. Ça y est, vous avez vu, il y a trop de calculs, mais après, regardez le résultat. Alors, maintenant, c'est quoi la question? La question demande la nature du triangle ABC. Alors, regardez, vous allez faire sortir deux flèches. Le A concerne une démonstration, et puis sur 2 concerne une démonstration. Pour le A, c'est quoi le A? Le A, ça veut dire que vous avez module de B moins C sur A moins C, module, est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le module, vous avez le droit de séparer sur module de A moins C, est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le module de B moins C? C'est la distance CB. CB, deuxième, après le premier. AC, c'est quoi AC? C'est le pourcent. S'il vous plaît, c'est en rangeant avec le cours. A moins C, c'est la distance CA, est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance, vous mettez CA ici, vous allez avoir la distance CA, et CB est égal à la distance CA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le triangle ABC est un triangle isocèle, tout simplement. Un triangle qui a deux côtés égaux. Voilà, vous avez deux côtés égaux. Voilà, vous avez ici C1 égal à C2. Donc, si vous prenez C ici, le B le voilà, le A, ou bien vous changez, vous avez la distance CB égale à la distance de CA. Ça veut dire que le triangle ABC est isocèle. Voilà, isocèle en quoi? En C. Pourquoi le C? Parce que c'est la lettre que je répète deux fois. Claire? Ça concernant le module. Maintenant, l'argument. L'argument, qu'est-ce que vous avez? Vous avez argument. Alors, argument de quoi? De B moins C sur A moins C est congru à quoi? A pi sur 2 modulo de pi. Si vous voulez le cours, si vous rappelez le cours, je vous ai dit, quand on écrit argument d'une division, ici concerne le deuxième vecteur, ici concerne le premier vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les lettres que vous avez? Alors, vous avez ici la lettre A, la lettre C, c'est le premier vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez écrire le vecteur, vous avez AC, donc c'est le vecteur CA, flèche, virgule. Ça, c'est le deuxième vecteur. Ça, ce deuxième vecteur se trouve ici. Donc, vous avez B moins C, donc c'est le vecteur CB, flèche, barre, pi sur 2, modulo de pi. Alors, je répète, c'est du cours concret. Il faut réviser le cours, s'il vous plaît. Le premier vecteur, on le met, c'est leurs affixes, on les met au dénominateur, et le deuxième vecteur au numérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'angle CACB est droit. Donc ici, quelle est la lettre qui se répète deux fois? C'est C. Donc ici, vous avez un angle droit en C. Donc qu'est-ce que c'est la conclusion? Donc conclusion, c'est quoi? C'est conclusion, qu'est-ce qu'on a? Le triangle ABC est un triangle isocèle et rectangle.
Ils ont 7 parce qu'il a deux côtés égaux. Ça va, CB est égal à CA. Et rectangle en C. Et rectangle. Rectangle en C. Et voilà, et on a terminé l'exercice. Ça va? Allez, essayez de refaire tout ça, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Alors, dernier exercice. Vous avez le point A, c'est moins 1 plus I. Le point B, vous avez 2i. Le point C, vous avez 2 moins 2i. Et voilà, ça y est, la question, ils ont demandé de déterminer la nature du triangle. Alors, d'une autre manière, on va faire une chose. Vous allez calculer la distance, le module de AB. Admettons, on calcule le module de AB. C'est la distance AB, c'est B moins 1. Clair ? On calcule la distance AC, c'est C moins 1. On calcule la distance, qu'est-ce qui reste ? BC. BC, c'est C moins B. Et on commence une autre méthode. Alors B. Le B, c'est 2i. 2i moins A. Moins A, c'est moins 1 plus i. Et voilà. Ça y est, A quoi est égal, ça donne partie réelle moins A avec moins C1. Ici, vous allez avoir moins I plus 2I, ça donne plus I. A quoi est égal module, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Le A, il se trouve ici. Voilà. Et ça vous donne ici racine de 2. Clair ? C'est A. C'est moins A. Alors, le C, vous allez avoir 2 moins 2I. Ça y est, ça le C, moins A. A, on a dit, c'est moins 1 plus I. Calculé, vous allez avoir 2 moins avec moins, ça donne 1, 3. Ça, moins 2i, vous avez ici moins i. Moins i avec moins 2i, c'est moins 3i. Calculez le module, ça donne 3 au carré plus moins 3 au carré. Ça donne 9 plus 9, c'est racine de 18. Racine de 18, c'est 3 racine de 2. Et voilà. Clair ? On passe à C moins B. Alors, C moins B, la même chose, le C, c'est 2 moins 2i, moins le B. Le B, c'est moins 2i. Calculer, partie réelle, il n'y a que 1, 2, partie imaginaire, moins 2i, c'est moins 4i. Claire, alors calculer, module, c'est 2 au carré plus moins 4 au carré. Ça donne 4 plus 16, ça donne un 20, racine de 20. Et voilà, vous pouvez laisser 18, pour le moment, on va laisser que des racines. Hein. La distance AB au carré, ça donne 1, 2. La distance AC au carré, ça donne 1, 18. Et la distance, vous avez vu, c'est pas la même de calculer. Et la distance, qu'est-ce qui reste? BC au carré, ça donne un 20. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que 20 est égal à 18 plus 2. Vous êtes d'accord? C'est quoi le 20? Le 20, c'est la distance BC carré. BC carré est égal à 18. 18, c'est AC au carré. Plus le 2. Le 2, c'est AB au carré. Et ça, c'est la relation de quoi? C'est la relation de Pythagore. Vous êtes d'accord? Pythagore, donc vous allez avoir, voilà le triangle. Vous avez le BC, la distance BC au carré, égale distance AC au carré plus AB au carré. C'est-à-dire que c'est un triangle rectangle en A. Ceci implique que ABC est un triangle. Triangle, rectangle, rectangle en A. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, donc je vous ai donné une autre méthode pour déterminer la nature d'un triangle. Ça va? On verra ça encore, on va voir d'autres cas la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.